Bonjour, alors on va maintenant attaquer cette page. Il n'y a pas de pop-up sur cette page, il y a juste voilà, un grand rabat collé en bas qui fait 16,7 de hauteur, de largeur, c'est-à-dire que de l'extrémité jusqu'au matache, vous calculez ce que vous avez sur, alors 16,5. Plus 0,3 de gousset, là, plus 1,5 de collage. Le premier, on le colle. Et on a besoin aussi d'un petit rabat qui fait 16,7, exactement la même largeur, sur 5 plus 0,2 plus 1 pour coller. On biseaute. Et on colle ici. Donc c'est une page qui contient son système de fermeture. Et on a besoin de... De 19 dans un plié sur chaque côté, 1 et 1 sur 10 et un plié sur ce côté. Donc j'ai oublié juste... On va venir placer ça. Donc, je retire un peu. Qu'est-ce que j'ai mis là? Alors maintenant, on va placer la pochette d'ici. Alors celle-ci, elle fait 16,7 plus 1 plus 1 sur 9 plus 1 pour plier. Voilà. Et on va la placer ici.
On peut éventuellement faire ceci, mais on doit, parce qu'elle doit nous servir. Non, on va laisser juste un demi-centimètre, tiens. On va la placer au bord. Voilà, notre page est finie. On va mettre des rabats. Deux. Je vais en ajouter un. Et c'est bon. Elle est déjà assez épaisse. Donc, je vais juste mater tout ça. Et on fera. Donc, voilà. C'est maté. Là, le rabat, je ne l'ai pas encore maté. Parce que... j'attends la fin. Je suis trop serrée pour les papiers parce que j'ai pas d'autres blocs où il y a ces couleurs-là, ces nuances-là. Je travaille juste avec les chutes du premier bloc de Carpe Diem. Et voilà. Donc voilà, vous voyez, j'ai utilisé les moindres petites chutes, même de 0. 3 mm, 0,3 mm, des petites bandes comme ça. Donc, voilà. Et voilà. Je ne sais pas si ça appartient au même bloc, mais en tout cas, ça va très bien. J'ai abusé, c'est-à-dire, je l'ai fait volontairement pour ancrer les bords. Je l'ai rentré, bien rentré, pour donner effet que c'est bleu, ça appartient au bloc. Voilà, donc vous voyez toutes les chutes. J'avais découpé la grosse fleur sur le papier et il me restait juste des petits bords et je les ai coupés comme ça pour pouvoir les utiliser. Donc voilà, on a l'impression que c'est, je ne sais pas ce que c'est, la pochette avec un double rabat. Et puis on ferme et on referme avec l'autre. Voilà. Donc voilà pour cette page. On l'a fini. Elle est elle est pas épaisse. Ça compense ce qu'on a déjà fait avant. Là c'est un peu épais et là c'est pas épais du tout. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.